une exploitation familiale, herbagère, de 83 hectares, essentiellement de la prairie permanente. Sur ces 83 hectares, nous élevons 40 vaches allaitantes et 200 brebis allaitantes également. Donc, au niveau des apports de complémentation, donc apport de pierre alléchée toute l'année à tous les lots, notre préférence va sur la pierre alléchée de type KNZ qui a une bonne stabilité dans le temps, ne fond pas trop lorsqu'elle n'est pas consommée rapidement. C'est un point important parce qu'on voit quand même une forte variabilité, et je pense derrière une certaine adaptation de l'animal à son besoin, une forte variabilité dans sa consommation. Elle peut être très rapide, mais elle peut être aussi très lente à certains moments. Et en l'occurrence avec les bovins. Au niveau du type de pierre alléchée, on fait aussi attention à certains moments de travailler plutôt avec des pierres alléchées enrichies en sélénium, notamment pour les brebis en fin de gestation et en lactation, comme ici d'ailleurs. Ça, c'est né dehors la semaine dernière. Je les ai retrouvés le matin, il faisait un brouillard. Je vais voir mes brebis, j'entends au loin, je dis tiens, il y en a une qui a fait des petits. Ils étaient déjà tout secs.